Dieu, viens à mon aide. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Jeudi de la cinquième semaine du temps pascal de l'année B. Écoutons les thèses liturgiques lues par Sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Mathias Etche SMA, commentées par le Père Alessine Nikabou SMA. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 7 à 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous.
sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié le cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière que toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand il eut terminé, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Simon Pierre vous a exposé comment dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit. Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées. Je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations, ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé,
moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie. Amen. Alléluia. L'évangile de ce jour, chers frères et sœurs, nous convie à la pratique d'un grand amour. En d'autres termes, aimer comme Dieu nous a aimés. En effet, la page de l'évangile d'aujourd'hui est un hymne composé en l'honneur de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Jésus livre le cœur de son message et nous confie son testament. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son esprit, de toute son âme et aimer le prochain comme soi-même. Telle est la recommandation de notre Seigneur. Si Dieu est donc amour, comment pouvons-nous imaginer que la colère, la haine, le mépris, l'indifférence, le regard de supériorité peuvent plaire à Dieu? Il n'y a pas d'autre chemin pour demeurer en Dieu que de l'aimer et d'aimer tous ceux qui nous entourent en posant des actes concrets au quotidien de notre vie envers tous sans exception. Nombre de chrétiens font l'erreur de ne plus avoir de temps pour Dieu dans leur vie. Ils cessent de prier, de rencontrer le Seigneur le dimanche, d'enseigner à leurs enfants les valeurs chrétiennes. Or, lorsque l'aspect religieux a peu d'importance dans la vie de tous les jours, petit à petit, la foi se flétrit, se dessèche et meurt, et immanquablement les gens deviennent des chrétiens non pratiquants, c'est-à-dire des chrétiens qui non seulement ne fréquentent plus la communauté chrétienne, mais qui cessent de porter les fruits de ceux et celles qui sont unis au Christ, comme les sarments à la vigne. Jésus veut donc nous combler de sa joie intérieure, qui permet de tout dépasser, de tout transcender. Mais pour cela encore, faut-il voir de quelle façon nous demeurons dans l'amour de Dieu? Et c'est justement la grande question de Jésus à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? L'évangile d'aujourd'hui nous renvoie personnellement à cette question. Toi, mon frère, toi, ma sœur, m'aimes-tu? Nous dit Jésus. Il revient à chacun d'entre nous de donner une réponse au Christ. Que Dieu nous aide à toujours demeurer dans son amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.